se lève jamais, c'est mou dans tes braies. Pauvre Momo, Momo misquine, ton chapiteau, on imagine, ne se lève jamais, c'est mou dans tes bras. Ta beau boire de l'urine, ça lèvera pas ta fine. Autour de la Kaaba, tu peux tourner en rond. C'est pas pour toi, les petits fions. Ah, là. Pauvre Momo. Momo Miskine. Pauvre Momo. Momo Miskine. On skin. imagine. On imagine.

la poste que c'est d'aide pour la monétisation, je pense. Mais on s'en ah fout. C'est pour le plaisir, oh, les amis. Pour le ils, plaisir. Vont le tipeee, ils vont donner dans, dans le Tipeee. Oui, donner dans le Tipeee. Ah, le lien du Tipeee, je vais le mettre. Attendez, c'est le début du live. C'est le moment où jamais. Oh, je vais faire des pépettes. Je sens que je vais être riche. C'est ce soir la fortune, les amis. Vous avez tous donné dans le, dans le Tipeee. Hop, c'est parti. Oh là là, je vais être riche. Je vais m'acheter un scooter. Ah, magnifique. Si bon, euh, riche. On, a, on attend. Euh, on il, il, normalement, Régulus devrait venir. Il a dit qu'il viendrait, mais bon, il n'est toujours pas là. On va commencer sans lui, c'est pas grave. Hein. Il, alors, euh, le live de ce soir, euh, c'est pas pour rien que je le fais. C'est parce que ça fait un bout de temps que je me pose la question sur l'éventuelle impuissance. Il est interdit. Attends, 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 oui Le live de ce soir est interdit au moins de 18 ans. On va aborder des ça. problématiques... Ah euh... oh non, pas du Donc, tout, il n'y a pas de gros... Non, 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 il n'y aura pas du tout, non, 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 ça va être très correct. Ah, il n'y a que le générique de début, là, qui... Euh... Philippe, est. mais pour le reste, ça va être très, très... non non. En tout cas, on vous aura averti, euh... quelques oreilles chastes peuvent être... Peuvent être euh... non, non, en, pas cas pas en cas d'islamisation euh, euh... 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 avancée de niveau ah, oui, 2 et de grade 1, mais, euh... voilà, c'est le problème. Non, non, sinon vous, vous pouvez faire ça à qui vous voulez. Non, non, c'est tout public. Hein. Non, ce soir, c'est tout public. Euh, oui, je disais, je, je, je m'interroge depuis un bout de temps sur euh, l'éventuelle stérilité du prophète, voire même son impuissance sexuelle. Vous voyez, c'est tout public. Et, euh, et là, et ce qui s'est passé, c'est que. Voilà, je vous montre le. Euh, hop, voilà. J'avais préparé mon petit prépa ma petite préparation. Donc. Là, c'est euh, le prophète est-il impuissant Et donc voilà, c'est euh, Rasoul, notre cher ami Rasoul, qui nous a partagé comme ça, ça l'a fait rire, euh, un ouvrage qu'il a trouvé dans une bibliothèque islamique. Voilà cet ouvrage-là, euh, Mohammed, le livret de famille du prophète Muhammad, paix et bénédiction soit sur lui, tout ça. Et qu'est-ce que j'ai Qu'est-ce qu'il nous a partagé dedans comme photo à l'intérieur de <laughs> Oui, Momo, il paraît que oui. Euh, je réponds à Mohamed Catholique. Alors, comme page à l'intérieur, on trouve ça. Alors, regarde bien. Je sais pas tu as, tu as regardé, toi, C sur le groupe Discord. Oui, oui, je voilà. Alors, l'arbre généalogique, généalogique du prophète Mohamed, euh, Salami Ouassalad. Et donc, euh, on y voit toutes ses épouses, presque, hein, pas toutes, mais regarde, il y a à gauche... Il y a toute une colonne pour Khadija. Et à droite, alors ce qui est marrant, c'est qu'ils mettent, vous comptez, hein, regardez, comptez avec moi, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 autres épouses. Euh, donc ça fait 12 épouses en tout. Sur les 12 épouses, il n'y en a que 2 qui lui ont donné des enfants. Les 10 autres, euh, elles ont servi à quoi et, et, et... Douze épouses, il n'y en a que deux qui ont des enfants de lui. C'est bizarre. Et en plus de ça, parmi les deux, il y en a une, c'est pas son épouse. Alors là, ils ont été, ils ont été un peu filous hein, dans ce bouquin. Parce que dire que tout en bas, si vous lisez bien, euh, Maria la copte, Maria bint. Euh, bon bref, c'est Mar Maria, Maria la Copte. Euh, c'est une épouse. Ils l'ont mis dans épouse, hein, alors que non, ils n'ont jamais été mariés, elle a toujours été son esclave. On va voir tout à l'heure que c'était vraiment son esclave. Euh, quant à lui et ses enfants de lui, elle était bien son esclave. Et euh, je crois même qu'elle euh, qu est restée esclave après la mort du prophète. Hein. Je ne sais pas qui en a, en a hérité et qui plus tard l'a, la, la franchi. Mais en tout cas, euh, voilà. Bref, moi, ce qui me choque, c'est ça. Moi, ce qui, je me suis dit, oh, j'ai des soupçons, j'ai des soupçons, j'ai des soupçons. Et je tombe là-dessus et je me dis, ce n'est pas possible. Quand on voit ce tableau, on se dit, non, mais on voit toute la liste des épouses à droite, là. Et à gauche, il y a Khadija qui, elle seule, a fait plein d'enfants, soi-disant, avec lui. Et puis tout en bas, il y a eu une, une femme esclave qui, aurait eu un, un, qui lui aurait donné un fils. Et là, je me dis, il y, y a un problème. Dans tous les cas, il y a un problème à ça. Ce n'est pas normal. À l'époque, on est au 7e siècle en Arabie. On se dit bien. Ah, merci euh, Spike. Spike nous dit c'est Omar qui l'a affranchi. Merci, euh, donc Omar a affranchi. Donc du vivant du prophète, hein, tu confirmes, et même sous Abu Bakr hein, quand même, euh, sous le, sous, du vivant du prophète, et même après sa mort, sous le premier calife, c'était une esclave toujours. Donc voilà, euh, et elle avait donné un fils au prophète. Donc euh, je, je reviens à mon truc, vous voyez, vous voyez les gens ou pas, est-ce que vous comprenez mon, mon, le souci que j'ai, moi, avec ça euh, c'est que, si vous voulez, j'ai un faisceau d'indices. Ce soir, je vais vous montrer un faisceau d'indices. Je ne vais pas vous prouver qu'il était impuissant ou stérile. Hein. Non, pas du tout. Il n'y a aucune preuve de ça, ni du contraire, justement. Mais il y a pour moi un faisceau d'indices qui converge vers le fait qu'il était mou de la verge, justement. Euh, et c'est ce qu'on va voir ce soir. Parce que là, ce n'est pas normal. Je, je, suis, je suis désolé. On, on reproduit cette expérience un, un nombre incalculable de fois. Un homme avec 12 femmes, deux lui donnent des enfants et dix autres ne lui en donnent pas. Alors, je veux bien qu'il y avait des Saoudas, et encore, elle avait 30 ans quand elle épousait Saouda, hein. elle n'était pas, pas non plus. Euh, bref, et puis il y, y a des Safiyas, il y a des euh, euh, Zainab, euh, bon, Aïcha était enfant, euh, peut-être il a détruit la matrice, mais les autres, euh, je suis désolé. Il faisait le tour de, on va voir, il faisait le tour de toutes ses épouses euh, en une nuit, sans arrêt, à la force de 30 hommes, normalement, euh, dans le tas, au niveau des probabilités, cette situation-là, c'est proba probabilité zéro. Vous comprenez Mathématiquement, la situation que vous voyez, que vous voyez à l'écran, c'est probabilité zéro. Donc, il y a un réel problème. Un réel problème. Merci, euh, merci à la République française de nous avoir appris les maths, la réflexion <laughs> logique. Oui, c'est logique. C'est okay. impossible. Tu prends 10 femmes au hasard. Il y a un homme qui couche avec elle régulièrement, au moins une fois par semaine, pendant euh, 10 ans, ou je ne sais combien de temps. Sur, si sur les 10, il n'y en a pas une qui, qui fout des gosses, c'est que le mec euh, il a un problème. Ça ne vient pas d'elle. Si il n'a pas épousé 10 femmes, 10 femmes stériles quand même. C'est pas de chance pour lui, hein. franchement, tu épouses 10 femmes stériles. C'est vraiment que Allah, euh, il n'a vraiment pas voulu que tu aies des gosses. Oh, punaise. Hubert, oh, là, 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 là. Oui. Je, te, je te quitte cinq minutes. Oui, faut... oui vas-y, je continue. J'ai d'urgence. Merci à tous. Oui, oui. Alors, bon, j'attends la visite de, de Régulus et la poste à Kafir. Je continue, les amis, je continue. La chance du Dayout, oui, bien sûr. Alors. Qu'est-ce que j'ai prévu de voir Alors, sur 11 épouses et une esclave, il n'y en a que. Parce que oui, Maria, c'est une esclave. Sur onze épouses et une esclave, il n'y en a que deux qui ont donné des enfants. Ça interpelle. Alors, j'avance un peu pour voir ce que j'avais prévu dans ma préparation que j'ai faite il n'y a juste pas longtemps. Regardez bien, voilà. Vous voyez, alors maintenant, on va parler de la fameuse, la première, Khadija. Khadija, sa première épouse. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé J'ai trouvé euh, sur Internet un livre, euh, La vie de radija il y a un extrait dedans, mais vous inquiétez pas, de toute façon, vous prenez n'importe quelle euh, Sierra ». j'ai eu la flemme de, de, de rechercher dans la Sierra » et tout ça. Euh... <laughs> bon, voilà, voilà je de mots, voilà, Fredo, je le montre, voilà. Ah, tu fais ton malin, tu veux faire rire, tu veux faire rire la, la, la compagnie, c'est ça Voilà, Fredo, il va amuser la galerie. Moi, je parle de choses sérieuses. Et voilà ce qu'il dit, lui. Voilà, regardez à l'écran. C'est terrible. Oh, Fredo, vraiment, alors là, euh, tu vas avoir une heure de colle. Hein, je te dis, hein. C'est pas possible, ça. Quand même. Oh, zut, alors. Alors, oui, dans ce livre-là, euh, sur la cinquième de couverture, ou quatrième, je ne sais pas comment on l'appelle, de couverture, là, euh, il est dit qu'elle bah, avait 40 ans, hein, déjà, quand elle épousait le prophète. Oh, et sur le site alors, un site musulman, vous pouvez aller vérifier, vous tapez agib.fr, vous verrez que c'est un site musulman. Qu'est-ce qui est écrit sur ce site musulman? Alors, on va voir ça ensemble. Voilà. Il est écrit qu'elle avait 40 ans et elle était déjà veuve deux fois. Donc, elle avait eu deux maris avant lui. Euh, elle avait eu trois enfants des deux premiers mariages. Et elle s'est mariée avec lui quand il avait 25 ans. Et elle aurait eu six enfants par la suite, sachant que c'était une femme très riche, très influente, et que lui, c'était son petit employé. C'était son, son garçon de bureau, quoi. Enfin, il conduisait les caravanes, tout ça pour elle. Donc pendant que lui était en caravane, euh, pour aller en Syrie ou je sais pas où avec des caravanes, euh, elle est tombée enceinte. Et elle faisait un enfant, et puis c'était lui qui était soi-disant le père. Pour moi. Il n'y a aucune preuve que les six enfants qu'ils ont eus ensemble soient les siens, d'autant plus qu'elle avait 40 ans. Euh, passer 40 ans, faire six gosses, je veux bien que ce soit possible. Attention, c'est scientifiquement possible. Euh, avec un mec qui, qui passe son temps à conduire des caravanes, c'est un peu plus compliqué, mais c'est toujours possible. Mais au niveau des, des, des probabilités, là encore... Euh, ces chances faibles. Alors, soit ces enfants, elle les a eu avant, soit ils les ont vraiment eu, à ce moment-là, le prophète n'était pas, pas impuissant à cette époque-là. Il avait 25 ans, il était en forme, peut-être que, écoutez, peut-être qu'il a vraiment eu des enfants avec cette femme de plus de 40 ans. Hein, C'est comme peut-être qu'un jour, le, il faut l'espérer, je leur souhaite, notre couple présidentiel aura peut-être un enfant bientôt. Hein, c est, c est, voilà, qui sait qui sait les amis, peut-être hein je leur souhaite en tout cas bon, le fait est que quand elle est décédée, la Khadija il s'est bien lâché derrière hein il s'en est tapé euh, 12 ou 13 hein plus les esclaves euh... donc le mec il s'est lâché et il n'a plus fait d'enfants, de, c'est terminé alors qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il fasse 6 enfants à une quarantenaire, euh, voire cinquantenaire sur la fin et pas du tout avec euh, des plus jeunes, des, 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 des trentenaires et compagnie, euh, voire des vieilles ou euh, des jeunes, tout ça, mais comment qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il fasse six enfants au début et pas du tout à la fin? C'est quand même une question qu'il faut se poser, personne ne se la pose, j'ai l'impression, mais comment c'est possible, les amis? Hein? Elle les a coupés, ah, quand elle est morte, elle a demandé ses baloches et hop, terminé. Doliprane qui dit ça. Peut-être que c'est Radija, On l'a enterré avec les baloches de Momo. Peut-être qu'il a enterré ses baloches avec sa, sa première épouse. Je ne sais pas. Écoutez, mais Alors, écoutez, on va voir. Je suis de retour. Ah coucou. coucou. Mais franchement, franchement, s'il vous plaît, pour flatter oui. mon ego, pour flatter mon ego, mon pauvre petit cœur fragile, arrives à un moment de la vie où tu sors de longues épreuves, de maladies, de trucs comme ça et tout. Dites-moi que je vous ai moqué Faites un peu de bien à mon ego. Écrivez tous dans les commentaires. Oui, il a posté un café, t'aime, tu nous as manqué pendant ces cinq minutes. Ah, fait, Faites-lui plaisir, sinon il va faire son caca nerveux, vous avez compris dans le chat. Vous y allez. Euh, ah, non, comment tu nous as manqué On est au désespoir. Allez-y, allez-y, allez-y. Relâchez-vous dans non, le mais... chat. Euh, sinon, le pauvre, euh, non, il, on ne pourra pas continuer le live, il va nous faire chier. Exactement, il a a. Tout pour les autres, jamais rien pour moi. Je <laughs> Welcome yeah, back in the live. Bon, ben bah voilà. 5 yeah, secondes. Ayuski, tu as manqué 5 secondes quand même. L'éternel est mon berger. Momokato, tu as tout compris. Voilà, super. <laughs> Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles et restaure mon âme. Et quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et Emma. Voilà. Ouais. Ah, alors, tu du... <laughs> ouais, cité du. Je l'ai vu en concert, lui. Ah vingt euh... oh, bah je... 23, mais non, hein. c'est le 23 de la Bible. Ah bon Ah, je confonds avec le, bah, le man, là. là. Ah il Alpha il le fait, il le fait, il le, il le fait Alpha Blondie, au début du ces <coughs> Moi j'avais la réflexion de Alpha Bondi, pas la Bible, hein, je ne connais pas. Alors, <coughs> je, vais, je vais reprendre mon truc, parce que dernière lune vient de oui, dire bah un oui, truc. Oui. Non, dernière, dernière lune vient de dire qu'il était cocu. Oh, je n'irai pas jusque-là, parce qu'on n'a pas de preuve hein, qu'il était cocu. Mais on va voir que retenez cette réflexion de dernière lune, parce que... On va voir par la suite qu'avec ses, ses, ses autres épouses, une fois que Radija n'était plus là, il avait une obsession de se faire cocufier. Mais alors là, il était obsédé de ça. C'était un truc, vraiment, lui, ne, il n'avait qu'une peur, c'était d'être cocu. Donc, peut-être qu'effectivement, ça ne vient de pas nulle part. Alors, on va voir. Donc, on avance. Donc, Radija en a compris, elle avait 40 ans. Elle était riche, elle et, 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 et portait la culotte. Salut euh, Abou Ijra. Comment vas-tu? Salut, ça va? Oui, ça ah, va. Ouais. Un de de ça Voilà, non, on a va. parlé de. Salut la prochaine. Ouais, pour, pour te résumer rapidement, hein, j'ai ouais. montré ce que nous a partagé Rassoul, euh, l'arbre généalogique où il a, on montre 12 épouses. 11 enfin, oui, oui. euh, épouses et une esclave. Il euh, n'y en, <laughs> en a que deux qui lui ont donné des gosses. Donc les 10 oui. autres, autres, elles étaient stériles peut-être. pas. Alors au niveau des probabilités, j'ai dit que c'était zéro pour moi. Euh, okay. Se marier avec 12 femmes, euh, il y en a 10 qui sont stériles, euh, qui ne sont pas capables de donner des gosses. Euh, pour moi, euh, pour, pro probabilité zéro. À moins que le mec peut-être soit stérile. Qui sait Ou sinon, pour il pratiquer euh, trouver... et... De toute façon. Il pratiquait le retrait peut-être. Ah non, je ne crois pas. Non, non, il ne voulait pas. Il avait dit que ce n'était pas bien d'ailleurs. Hein. Ah, il y, y a une controverse justement. Ouais. <laughs> Ça alors, dépend. Peut -être il pratiquait le retrait, mais euh, alors pour quelle oui. raison Je ne sais pas. Ah, c'est une solution. Bah, écoutez, c'est une possibilité. Et en donc tout cas, On disait oui. oui vas-y. Vas non, non. Donc, oui, je disais. Je sais. Et on, on, là, on en était au premier cas. On va d'abord regarder les deux cas de femmes qui lui ont donné des enfants. La okay. première, c'est Khadija. Euh, donc, oui. euh, un couple à la Brigitte Macron, euh, Emmanuel Macron. Euh, qui aurait eu euh, deux maris avant lui, euh, qui a atteint 40 ans et qui va lui donner six enfants. OK. Voilà. Et pendant que lui, il fait des caravanes, elle, elle passe son temps à tomber enceinte. En gros, <laughs> voilà ce qui se passe. D'accord Mais euh, c'est elle qui tient la la, les rênes, la bourse et la culotte. Donc, euh, le mec il ferme sa gueule avec elle. Et euh, il y avait donc euh, dernière lune qui disait il était cocu dans le chat j'ai dit écoute moi j'ai pas dit ça c'est toi ça, 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 ça n'engage que toi mais qu'est-ce que ça veut dire dernière lune de, de, de propos pareils et en même temps on va voir quand même par la suite on va, on va comprendre d'ailleurs avec la prochaine euh, épouse enfin et plutôt esclave que il était il avait qu'une obsession c'était pas être cocu le mec ah, il avait flippé d'être cocu euh, dès qu'il y en a une qui tombait enceinte d'ailleurs on va voir ça alors, tu voulais dire quelque chose, Régulus, peut-être. Voilà, j'ai résumé ce qu'on a dit. Hein. Non, non, mais par rapport aux six enfants, c'est vrai que c'est très bizarre. Donc, elle a eu six enfants en tout, c'est ça Ou elle a eu six enfants qu'avec Mohamed Elle a eu six enfants avec Mohamed, et elle en a eu trois avec ses anciens maris. Elle a, ouais, eu c deux très anciens maris. Elle a été veuve deux fois, oui, elle a eu trois juste enfants, juste... veuve deux fois, trois enfants, et là, à 40 ans, elle épouse Mohamed, et ils ont six enfants. Ouais, c'est pas crédible en vrai. On s'est toujours posé la question. En tout cas, il y a divergence dans les sources. On ne sait pas vraiment si elle a eu autant d'enfants que ça, etc. Mais Alors, mais là. La... Oui, vas-y. Scientifiquement, c'est possible. C'est-à-dire hein. Là, il y a pas d'impossibilité scientifique à, à ce que ça arrive. Mais encore une fois, en termes de probabilité, c'est très faible. On, on, on sent que. Enfin, ça, ça interroge en tout cas. Oui, euh, sur l'âge oui. réel de Khadija peut-être. Hein. Euh, sur le fait que les enfants soient vraiment euh, euh, post mariage avec le prophète et pas euh, d'avant ou on ne sait pas vraiment parce que ça paraît très bizarre ça paraît très bizarre je suis oui je suis d'accord et en plus euh, euh, après les, les sunnites, ça c'est sunnite parce que les chiites eux te disent que Ruqayya, buraqaya umkeltum donc ils sont censés être les, les filles qu'il a eu avec euh, Khadija, ce n'est pas les filles biologiques de, de Mohammed. Voilà. C'est plutôt les nièces de Khadija qui ont été élevées dans sa maison. Ah. Voilà. Eh oui. bah, peut-être qu'on lui attribué des enfants pour faire dire qu'il n'était pas euh, stérile. C'est ça, bah, exactement. Il y a eu beaucoup de rumeurs, hein. attention, on verra. On verra tout à l'heure qu'il y a eu beaucoup de rumeurs sur son impuissance et sa stérilité. On verra ça. Et donc peut-être que les nièces, les cousins, les cousines, les, 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 les mornais, parce qu'il euh, a eu deux fils avec elle. Euh, euh, qui, qui sont morts, soit mort nés soit morts-bébés. Enfin... C'est ça. Et, et après, il y a aussi il y a un enfant, enfin, c'est un garçon qui s'appelle Qasim. Et voilà, en fait, il y a, y, a y a une théorie qui dit que Qasim, parce qu'en arabe Qasim, ça veut dire quoi euh, En arabe Qasim, ça veut dire celui qui a essayé de répartir, comme répartir le butin, tu sais, voilà. Donc on l'appelle le père de Qasim. Et Ça pourrait être une expression en fait en arabe qui dirait il est le père de, de la répartition, il sait répartir le butin, quoi. Rien ah grave. Et oui, et... <laughs> c'est quand Abu Djal, etc., le père de l'ignorance ou Abu Lahab, le père du feu. Enfin, ça va on, va de... on va en parler de, on va en parler de, attention, ah, vas-y, vas-y. Tu sais qu'on va parler d'Abu Lahab encore, c'est pas fini, hein. <laughs> tu vas rigoler. Enfin, moi j'ai découvert un truc, hein. j'ai vraiment découvert un truc. C'est sur le document oh. qu'a donné Rassoul. Hein. dessus. Oh. Tu, et et j'ai vérifié, et c'est vrai. Oh, tu vas voir, c'est trop rigolo. Vas-y, vas-y. Peut-être que tu es au courant, toi, mais moi, je ne l'étais pas. Alors, on avance. On va passer à la deuxième épouse, parce que dans le document, ils disent qu'elle est épouse, alors qu'elle n'a jamais été épouse. C'est Maria Lacopte. On va passer, voilà. Maria Lacopte. Alors, pourquoi je dis que ce n'était pas son épouse Parce que déjà, c'est connu que c'est Omar qui l'a affranchi après la mort du prophète. Mais ensuite, voilà, je vous lis un extrait du document que j'avais fait pour moi, tout seul. Mohamed. Enfin, je ne l'ai pas fait tout seul, je l'ai fait pour moi. Euh, Mohamed a eu un enfant avec une de ses esclaves, connue sous le nom de Maria, la copte, qui lui avait été offerte en cadeau par le gouverneur d'Alexandrie. Dans un hadith de Sahih Muslim, qu'on va voir en dessous une phrase traduite par fille esclave est dans l'arabe original um walad littéralement mère de l'enfant et ça c'est le titre donné à une concubine esclave qui a enfanté un enfant de son maître voilà euh, sinon on dirait euh, son épouse la mère des croyants euh, on ne dit jamais ça de Maria la copte on dit la mère de l'enfant et ça c'est un titre qui est donné au, au, aux concubines esclaves qui ont enfanté un enfant de leur maître voilà d'accord avec ça, Régulus? Euh... Exactement, au Omualad, c'est ça, tout à fait. Voilà, donc c'était une esclave. Et qu'est-ce qu'il y a d'intéressant bah, C'est dans le hadith en question qui dit ça, Anas ibn Malik a ajouté, a rapporté, pardon, un homme était accusé d'adultère avec une fille esclave du messager d'Allah. Il s'agit de marier à la copte. Un homme était accusé d'adultère avec elle. Alors il ordonna à Ali d'aller lui trancher la tête, c'est le fameux mec qui était venu. Ali vient trouver l'homme alors qu'il se rafraîchissait dans un puits. Ali euh, lui dit de sortir et l'attrapa par la main. Quand il fut sorti, il constata qu'il était castré et qu'il n'avait ah. pas de verge. Ali l'épargna donc, puis il revient chez le prophète et dit « Oh, mais c'est là, là, il est castré, il n'a pas de verge. » Alors, il était, pourquoi il était accusé d'adultère, ce mec, avec marie -la Copte ben, Moi, je pense, ah, ben, c'est que moi, je n'ai pas de preuve de ça, mais je pense que c'est peut-être parce qu'elle était enceinte et que le prophète s'est dit, elle est enceinte, qui c'est qui l'a niquée C'est la première pensée qui me vient à l'esprit. Je dis pas que j'ai pas de preuve ni rien, mais comment on appelle ça C'est le, le rasoir d'Okam. Oui, <laughs> c oui. Le rasoir d'Okam me dit que le prophète... S'il a pensé que le mec euh, s'était tapé Marie à la Copte, c'est peut-être parce qu'elle était enceinte et que quand elle est tombée enceinte, le prophète s'est dit, elle m'a trompé. En tout cas, c'est une des possibilités. Parce que déjà, il y a des hommes, déjà un homme est accusé d'adultère. Bon, bah, c'était pas ce mec-là, il n'avait pas de verge. C'est peut-être que c'était un autre. En tout cas, on a accusé quelqu'un d'adultère. On avait des doutes, on avait des doutes sur la, fidi, sur de, sur la fidélité. Euh, de Maria la Copte. Donc on ne sait pas par qui elle se faisait sauter, euh, la pauvre Maria la Copte. Donc si on ne sait pas par qui elle se faisait sauter, quelle est la preuve que le, le petit Ibrahim, c'était le, le fils du prophète Ah, oui, oui, oui. oui. oui, oui, oui. On n'a pas de preuve que c'était vraiment son fils. Oui, aussi. Oui. Oui. Si on accuse un homme d'adultère, c'est qu'on pense qu'elle a la cuisse légère, ou en tout cas qu'il s'est passé des trucs. Donc il est... là, tout de suite, on se dit bon ben voilà, ça met le doute, ça met le doute. Donc voilà, les deux qui lui auraient donné des enfants, déjà, c'est pas prouvé à 100% que ce sont ces gosses. On va voir maintenant quelles sont les accusations directes, et surtout concernant ces autres. Ah oui, non, j'oublie. Je vais parler de, de, de Aïcha, la petite Aïcha. Il euh, y a encore une autre histoire qui est troublante. Il y a plusieurs histoires. Vous comprenez qu'il n'y a aucune preuve qu'il était impuissant ou stérile. Mais y a, vous allez comprendre qu'il y a tout un faisceau de, de hadiths et de sources qui fait que, mise bout, bout à bout, ça m'a poussé à penser qu'il y avait ce problème-là chez le prophète. Je peux me tromper. Je ne dis pas que c'est... Les... Faites votre avis par vous-même, les gens. Faites votre avis par vous-même. Mais sachant que pour moi, mon avis... Il n'est il est pas complètement tranché, mais quand même. Alors, quel est le fait troublant autour de Aisha Est-ce que vous en doutez, les amis, euh... l'apostat, euh, Régulus Dis-moi, c'est quoi le fait troublant sur Aisha Ce qu'elle est lui pas lui eu d'enfant Qui lui a détruit la matrice Non, c'est pas ça. Ce qu'elle n'avait pas eu d'enfant, c'est normal. Oui, elle n'a elle pas eu d'enfant. Non, non, alors, oui, bien sûr, elle n'a pas eu d'enfant, mais bon, c'est vrai qu'il y a la possibilité qu'il euh, lui ait détruit la matrice, comme l'a dit la poste à kafir Et là, ce serait euh, ça, ça ne prouverait plus rien du tout. Mm -hmm. Non, non. Moi, c'est l'histoire de la calomnie. Ah, la oui. La calomnie oui. contre Aïcha. Qu'est-ce qui sest il passé? Alors, on va C'est là le oui, oui, 2666. 2660. En fait, le... si je me rappelle, Momo, il est parti négocier quelque chose avec une tribu juive. Et quand il est revenu, il y a eu une rumeur qui a circulé comme quoi Aïcha, elle a été non, légère dans son absence. Ça. Non, c'est pas ça. Non, non. C'est lors d'une expédition. Alors, il faut le lire. Hein. J'ai pris que quelques passages qui m'intéressaient. Je n'ai pas pris l'intro. Mais c'est dans Bukhari. Hein. 2661. Euh, non, il est parti en expédition, le prophète. Et il a emmené une de ses femmes, qui se trouve être Aïcha. Parce qu'à chaque fois, il a emmené une de ses femmes, parce qu'il faut consommer pendant le trajet quand même. Et là, c'est tombé sur Aïcha, donc elle est partie avec lui. En cours de route, sur le trajet du retour, à un moment donné, elle cherche son collier, on ne sait pas quoi, elle s'égare. Et, et les gens oublient, ils pensent qu'elle est encore dans son... Dans son Ce n'est pas un carrosse, c'est un truc qui est transporté comme ça, là. Ils pensent qu'elle est encore dedans, ils se cassent tous. Et elle se retrouve euh, en pleine nature. Euh, tout, tout le monde est parti toute seule. Et là, il y a un jeune cavalier, un mec qui arrive, euh, de, qui était en retard aussi par rapport aux autres, et puis qui la charge derrière lui sur son cheval, et puis qui la ramène euh, un jour ou deux euh, après le reste de la caravane euh, à Médine. Et là, il y a des rumeurs. Oui, euh, elle était seule pendant une journée ou deux avec ce mec, euh, c'est pas pour rien, qu'elle s'est retrouvée isolée, elle a fait exprès, elle s'est partie à la caravane, blablabla, blablabla. Bla, 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 bla. C'est ça l'histoire de la rumeur. Mais le fait est que comprenez bien, c'est un fait important. C'est que c'était une, une sorte de caravane avec le prophète qui avait choisi de d'emporter Aïcha avec lui pendant le trajet. C'est-à-dire que elle était, elle dormait avec le prophète. Ils avaient leur vie de couple pendant tout le trajet. Et à un moment donné, c'est au retour, ils l'ont paumé quoi. Alors euh, qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu les rumeurs, voilà. Euh, qu'est-ce qui est troublant là-dedans? Pour l'instant, vous allez me dire pas grand-chose. Ce qui est troublant, c'est c'est ça, voilà. Euh, c'est un très long hadith. Hein. Il est très très long. Il fait plusieurs pages. Donc, j'ai sélectionné que quelques passages. Donc, une fois qu'elle est rentrée à Médine, dit Aïcha, elle est tombée malade. Elle avait peut-être que quand elle est tombée malade, je dis ça, je dis rien, mais peut-être qu'elle avait des nausées, peut-être <laughs> des, des symptômes un petit peu bizarres. Elle est tombée malade. Je suis resté ainsi pendant un mois. Donc, elle était malade pendant un mois quand même. Et les gens ne faisaient que colporter des calomnies à mon égard. Ce qui m'intriguait, c'était le comportement du. Parce qu'elle n'était pas au courant des calomnies pour l'instant. Mais ce qui l'intriguait, c'était le comportement du prophète qui n'affichait plus la présence dont il m'entourait auparavant quand je tombais malade. Il ne faisait qu'entrer et saluer et dire Comment va celle-ci Très froid le mec. Et pendant un mois, elle est alitée, malade, elle ne quitte pas la maison, tout ça. Mais on lui dit qu'il y a des rumeurs. Alors elle apprend qu'il y a des rumeurs sur sa fidélité et tout ça, elle apprend l'histoire. Et autre passage important, regardez, j'ai passé la nuit à pleurer sans fermer l'œil. Alors, la la ré la, au bout d'un mois, la révélation ayant tardé, il n'y a pas de révélation, là, il dit rien, il ferme sa gueule. Le prophète demanda à euh, vie s'il devait ou non me répudier à Ali et à Oussama. Ah, et Ali, il a dit oui. Oui, il oui, oui. a dit oui, il faut la répudier. Oui. Oussama, il dit, bah non, quand même, c'est dommage. Attends, euh... <laughs> les jeunes, jeune, elle peut servir. <laughs> c'est horrible. Alors, Ali, il dit, oh, mais la révélation ayant tardé, ça tarde, la révélation, ça tarde. Allah, il ne veut pas se décider. Allah, il, il peut pas dire, Allah, il est au courant. Hein. Allah, il voit tout, hein vous avez compris il, sait tout, il voit tout et ah là, il, est, il, le sait, voilà. il le sait si elle est fidèle ou pas donc imaginons elle est fidèle on va dire elle a été fidèle il elle la laisse la mariner été... c'est vraiment ah là, là, Pourquoi? pourquoi pourquoi <laughs> ah là il balance pas tout de suite vas-y euh, arrêtez les conneries les mecs c'est bon révélation il attend plus d'un mois pour faire sa révélation là regardez nuit et jour elle pleurait alors Ensuite, j'ai vu que mes larmes fendaient le cœur de mes parents. <laughs> Bref. Oh, Alors, triste. On en était tous là quand le prophète entra et prit place à côté de moi. Il ne l'avait il ne pas fait depuis le début de la calomnie. Pendant tout un mois, tout un mois, il n'avait pas reçu de révélation à mon sujet. Et après, il lui dit Bon, bah, si tu es innocente, euh, Dieu, te, euh, euh, Dieu me le fera savoir. Si tu es innocente, Dieu me fera savoir. Par contre, si tu as commis un péché, demande pardon hein, et repends-toi. Hein. Euh, une faute avouée est à la moitié pardonnée. Hein. Quand la vie du reconnaît sa faute et s'en repent, Dieu la lui pardonne. Ah, bah, vas-y, dis-le, quoi, merde <laughs> Et là, lui, pendant ce temps-là, il, il rigole, il se prend la gueule. Il, est, euh, euh, il vit sa meilleure vie. Alors. Moi j'ai une question, parce que là il y a un problème. C'est quoi le problème avec l'histoire de l'impuissance des prophètes, encore une fois? Eh bien voilà, je me suis écrit pour m'en rappeler. Allah a attendu plus d'un mois pour révéler que le prophète n'est pas cocu. Si au cours de ce mois est apparu, il est apparu que l'État, entre guillemets, malade, nauséeux, d'Aïcha, c'est une grossesse, ah. qui sait euh, Cela aurait-il impliqué qu'elle était forcément enceinte d'un autre Sachant ah. qu'Aïcha couchait avec le prophète durant le voyage et avant. Euh, si elle était tombée enceinte, c'est si eu un enfant, on aurait pu dire, bah, c'est le prophète de toute façon. Il y a un mois, oui. le prophète, il, oui, oui. il couchait avec elle, pendant, pendant, il les mène avec elle dans son expédition, ils, ils ont une relation de couple. C'est pas Parce qu'une nuit, euh, il y a un doute sur un mec que si elle tombe enceinte, bah, forcément, il est cocu. Qu'en déduire eh oui, et, et, et puis si vous pensez, ceux qui vont dire, oui, j'abuse, j'extrapole, je suis vicieux, j'imagine des trucs, mais dans ce cas-là, qu'on m'explique les raisons de ce délai, pourquoi Allah il a attendu plus d'un mois pour dire, effectivement, euh, il n'est pas cocu, elle ne l'a pas trompé. Euh, bébé, pourquoi Allah il a attendu désolé, un mois dans ce cas-là Désolé frérot, mais je, te, je vais te faire une voiture verse. Pourquoi tu as écrit un Ouais, une voiture verte. Pourquoi oh là là. as écrit délai avec un s, alors que c'est au singulier C'est où délai Là, voilà, c'est sur ta capture d'écran. Si ce raisonnement est faux, on explique les raisons de ce délai. T'as mis un s. Oui. Eh ben, c'est pour faire parler les cons. Non mais attends, mais attends, c'est bon, arrête. Tu... La voilà, voiture verte. Oh, ouais, ouais, as, cool. tu, voilà, t'as foutu. Voilà, tu m'as mis en pls. Écoute, pardon. Je suis en pls. Je suis en pls. Ouais. Bah ouais. Voilà. Bah, sinon, je maintiens hein, les amis quand même. Mais euh, comment se fait-il alors qu'elle couchait avec le prophète Il n'y a pas de souci. À un moment donné, il y a une journée, elle est avec un autre mec. Mais euh, à la limite, s'il était enceinte, on n'aurait pas pu savoir de qui elle était enceinte. On n'aurait pas pu soupçonner que c'est forcément un autre que le prophète. Sauf que là, le fait qu'on attendait un mois, pour moi, c'est clairement pour vérifier qu'elle n'est pas enceinte. Bah, en tout cas, moi, c'est... Si c'est une autre explication que celle-là, je suis preneur. Hein, Donnez-la moi. Hein. Donnez-moi une autre explication de pourquoi on attend un mois avant de soi-disant avoir une révélation comme quoi euh, elle n'a pas été infidèle. Et si j'ai raison, euh, si c'est pour attendre de vérifier qu'elle n'est pas enceinte, comment se fait-il que le fait qu'elle soit enceinte serait une preuve que le prophète est cocu Posez-vous la question. Comment se fait-il que le fait que Aïcha soit enceinte serait une preuve que le prophète est cocu s'il n'est pas euh, impuissant ou stérile. C'est ça, oui. Hein Donc, ce n'est pas une preuve, encore une fois, les amis, ce n'est pas une preuve. On peut, euh, du, Allah, il peut avoir attendu juste pour se fondre la gueule et regarder euh, Isha euh, malade, euh, en train de pleurer, toute sa famille pleurer, Abou Bakr, premier calife, pleurer, euh, dire « Ouais, mais c'est pas possible, euh, ma fille, c'est une salope. » Voilà, peut-être que là, ça lui faisait plaisir de, de voir les calomnies et tout ça. Hein peut-être, hein qui sait voilà, les gens, euh, je vous laisse réfléchir par vous-même. Hein. Alors, la suite, les autres. Là, on a parlé des deux épouses qui ont eu des enfants euh, et de Aïcha, parce que c'était la même histoire de jalousie qu'il avait avec Maria Lacopte. J'ai fait le lien. Jaloux de Maria Lacopte, jaloux de Aïcha. Dès qu'il y a un soupçon d'être enceinte chez une de ses épouses, il va soupçonner tout le monde d'avoir couché avec elle. Il y a un petit souci, hein, quand même. Hein. Pour moi, il y a un souci. Alors, maintenant. Euh, Quid des autres épouses Pourquoi euh, elles sont stériles Qu'est-ce qui se passe Alors, on va rétorquer maintenant que je dis des conneries quand même depuis le début, parce que le prophète c'était Rocco Sifredi quand même. Oui, c'était Rocco Sifredi le prophète. Donc, comment ça se fait euh, qu'ils soient impuissants ou je ne sais quoi Parce que là, vous avez, euh, je vous cite euh, trois brali, hein il y en a les deux qui sont là. Euh, où on dit que le prophète avait l'habitude de faire le tour, euh, avoir des relations sexuelles avec toutes ces femmes en une nuit. Il en avait neuf. L'autre, c'est pareil, sauf qu'en plus, il, dit qu il prenait un seul bain après l'avoir fait. Voilà. Donc, il, faisait, il se tapait toutes ces femmes et il prenait un seul bain. Voilà. C'est très hygiénique, les MST, tout ça, il n'y a pas de souci. Il y en a même un autre qui est encore mieux, hein, encore plus classe. Je, ça, je trouve classe parce que. Ça s'appelle avoir des rapports sexuels et les répéter et s'engager avec ses propres femmes et prendre un seul bain après l'avoir fait. Et là, on dit que le prophète avait la force de 30 hommes. Magnifique. Pour, euh, le sexe. Donc, on se non. dit attendez, euh, je déconne, quoi. Hein la force de 30 hommes. Bah oui, mais alors dans ce cas-là, ça annule tout ce que je viens de dire. Ben non, euh, c'est bon, il a la force de 30 hommes, on oublie, il n'est pas stérile, il n'est pas, stéri, pas impuissant. Euh, le mec, euh, c'est bon, c'est. il a des couilles, euh, c'est les couilles de Hulk, le gars qu'il a. Euh, si toi. tu continues à calomnier le prophète, Dieu va te rendre aveugle. Fais attention. Euh, ah si, oui, si, voilà. vous, si vous me permettez, euh, très rapidement, une petite remarque, euh, là je vais être sérieux, pour la connaissance de tous ceux qui nous écoutent. Qui verront cette vidéo en rediff. Euh, tout, tout, tout ce qu'on est en train de, de débunker sur euh, et la force de 30 hommes, blablabla, blablabla tout, toutes ces légendes sont venues. Et je pense que Régulus va confirmer, et toi aussi, Bébert, c'est qu'en fait, euh, le Coran, quand on prend dans l'islam, on ne prend que le Coran et rien d'autre comme source. On ne sait rien du prophète. C'est le prophète de l'islam, dans le Coran, on ne sait rien sur le prophète, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de description, il n'y a, a, a que dalle. Et donc, en fait, la Syrah et les Hadiths ont été créés pour compenser le fait que dans l'islam, le Coran, on ne parle pas du prophète. Et donc, ils ont fait dans la surenchère de la légende de l'homme le plus parfait, le plus fort, le, le, le plus ceci, le plus cela, et tout ce qui vient après le Coran, c'est que de la flûte. Parce que c'est pour compenser penser que rien n'a été dit sur ce qu'a pu dire, faire, penser ah, dans, oui, le dans le Coran. Oui, mais là, si tu veux, je te, je te parle du prophète tel que décrit dans ces sources-là. Source oui. Tel que nous, tel que nous, on pense qu'on ne sait rien de ce personnage. Ça. C'est ça, c'est ça. Je me, je me place dans le cadre vraiment des textes, des sources et de comment il est décrit. Je dis ah, que bien sûr, bien sûr, je ne dis pas qu'il y a un personnage qui a existé, qui était stérile. Je dis que le personnage semi-fictif, hein, comme le roi Arthur. Hein, pour moi, c'est le roi Arthur, c'est pareil. Hein, euh, le, le personnage fictif que nous décrivent les textes et les sources était impuissant et stérile, avec toutes les caractéristiques, euh, avec toutes les caractéristiques d'un mec impuissant et stérile. Et même ça, ça même ce que je viens de vous lire là sur la force de 30 hommes, il y a, y a je ne sais combien de hadiths sur sa virilité et ses, et ses performances sexuelles. Et, et l'accumulation de sources comme ça aurait tendance plutôt à me prouver le contraire. Désolé, euh, est-ce que, ce que Rocco Sifredi, quand il va quelque part, il fait sonner les trompettes pour dire à quel point euh, c'est un gros baiser Il s'en fout. Euh, sa réputation le précède. Mais, mais là, faire. Pour autant de sources pour dire non, le mec est ultra viril, ça cache quelque chose. Les mecs qui se vantent de leur virilité, souvent, c'est pas les plus virils. Hein. Moi, je, je, déjà, ça me met rien que ça, ça me met aussi un doute. C'est pas normal d'être oui, obligé oui. à ce point-là. Alors, quand on est obligé à ce point-là de vanter les les, les les performances sexuelles de quelqu'un, c'est qu'elles sont mises en doute. C'est qu'au moins, il y a d'autres personnes qui les mettent en doute parallèlement à ça. Et on va voir que c'est le cas. Et même Allah est venu le, le défendre. C'est ce, ce qu'on va voir maintenant. Euh, oui. oui, juste parce que oui. là, là tu avances très vite. Et est-ce que les gens ils sont un peu perdus sur certaines choses? Euh, bah, pour, ceux... pour ceux qui veulent étudier en détail la calomnie de Aïcha, je vous conseille d'aller dans la sourate 24. Voilà, la sourate 24, sur Donc, c'est une sourate qui parle beaucoup d'ailleurs euh, d'adultère, etc. et de fornication. Donc, je vous conseille d'aller dedans et d'aller vers les versets 10, 11, etc. Et là, vous aurez tout le contexte de ce qui s'est passé. Il y aura plusieurs hadiths qui vont parler de, la... de ce qui s'est passé au niveau de la caravane. Le de... De... De de tafsir de la sourate, alors. C'est ça, exactement. Oui, bien sûr. Il euh, faut jamais lire hein, le Coran tout seul. faut toujours le lire avec des exégèses. Euh, ça peut être Tabari, ça peut être Ibn euh, Kathir pour les francophones. Et je vous conseille vraiment de lire les tafsirs qui sont accompagnés de hadith. Parce qu'il y a des tafsirs qui sont basés juste sur le, la linguistique et tout, ça ne sert à rien euh, quand on veut comprendre vraiment les causes de révélation. Et, et là, vraiment, c'est gratiné. Par exemple, dans, rapidement, dans un verset, ça dit que l'auteur de la calomnie... Il va être châtier et dans le hadith mais, mais dans le courant, Tu comprends pas quel est le châtiment dont on parle Et dans les hadiths, tu comprends. En fait, il Dieu il a rendu euh, aveugle la personne qui est responsable des calomnies de Aisha. Voilà, c'était ça le châtiment divin. On te rend aveugle. Voilà, de, du, de la calomnie. Mais maintenant ça ça existe plus. ça. Quelqu'un qui calomnie une femme, on, il, Dieu le rend plus aveugle. Donc comme quoi Aisha t'es vraiment privilégié. <laughs> non mais c'est le mec qui dit J'ai vu Aï Aï Aïcha se faire, enfin, euh, s'envoyer en l'air. J'ai vu Aïcha et l'autre s'envoyer en l'air. là, il le rend aveugle. Tu dis Waouh, wow, là, il n'a pas envie que ça se sache. C'est le seul truc auquel tu vas penser. Je suis désolé. Peut-être que je suis pervers aussi, hein, mais franchement, <laughs> j'aurais pris un autre châtiment, quoi. Parce que dire Je te rends aveugle, tu ne verras plus ce que tu ne vas pas voir. Ça, <laughs> ça, C'est vraiment. <laughs> C'est le pire des châtiments pour être crédible de la part d'Allah. Allah, il n'est pas crédible, crédible avec ce, ce châtiment. Là, je suis désolé. Hein. Et, et, juste, et juste rapidement, euh, parce que moi, j'aime bien toujours aller voir du côté islamique comment ils se défendent de certaines accusations d'ambiguïté, comme ils disent, euh, de la part des islamophobes ou des athées, euh, par rapport à l'histoire dont tu as parlé au début, euh, celle du, de, du, de l'homme qui, justement, surveillait euh, la concubine du, du prophète. Ben, en fait, ce qui se passe, c'est que ce mec-là, donc effectivement, ils Ali voulait genre le prendre par surprise après que le prophète lui a de, de le tuer pour avoir fréquenté, être accusé de fréquenter de manière charnelle l'esclave. Et à un moment donné, qu'est-ce euh, qu qu'ils disent les athées arabes Ils reprochent donc, ils disent, c'est pas normal que le prophète sans aucune preuve, il condamne quelqu'un. <laughs> tu vois c'est pas sans témoin sans rien d'où il sait que il y a eu fréquentation il se passe que sur euh, son savoir personnel ou peut-être c'est Gabriel qui lui a dit on sait pas montrer c'est pas normal et là il dit non mais Ali en fait il a pas vraiment voulu tuer le mec il a voulu le dissuader de la fréquenter c'est comme euh, quand Salomon il a voulu euh, couper l'enfant en deux vous connaissez ouais. toute cette histoire de c'est débile parce que le mec, c'était son boulot d'être avec elle. C'est-à-dire qu'il a été offert avec. On ne dit pas, mais euh, euh, le gouverneur d'Alexandrie, il a offert trois esclaves au prophète. C'est ça. Euh, Aïcha, une autre nana. Euh, Aisha, euh, Maria, une autre nana et ce mec-là. C'est ça, euh, exactement. L'autre nana, il l'a offerte, mais il a gardé ça. Vrai. Voilà. Et donc, ce mec-là, c'était un cadeau aussi, comme euh, voilà, de la famille peut-être de Maria. Euh, euh, un cousin, j'en sais rien, ou qu'il a, a était débarqué avec elle. Et ce mec-là, son boulot, il était esclave du prophète. Euh, on n'avait pas à dire éloigne-toi de, des autres esclaves du prophète, il allait faire quoi Il fallait que le prophète le vende dans ce cas-là. Enfin, il, il, il fallait pas lui dire oui, euh, dégage, bah, ou alors tu l'as franchi dans ce cas-là, mais c'est n'importe quoi. Voilà. Et puis j'en reviens à une chose, c'est que oui, quel est, comment le prophète a pu soupçonner ce mec-là sans preuve? Bah, Peut-être parce que le ventre de Maria s'arrondissait. Et Que le prophète s'est dit, c'est pas normal. Parce que moi, je suis un... moi, je n'ai jamais, jamais été capable de... de faire quoi que ce soit avec elle. Euh, j'ai je... un chamallow euh, dans le slip. Donc peut-être que c'est si son ventre s'arrondit. Euh... Oh la salope Voilà. Moi, j'imagine cette... je suis vicieux, les mecs. Désolé, moi, j'ai cette réaction-là. Je vois le mal partout. C'est comme ça. Mais euh, pour moi, euh, vouloir décapiter un, un esclave euh, sans raison. Alors que ta femme, c'est la seule qui, de, toutes tes, de toutes les natures que tu, soi-disant, euh, vis avec euh, et, et tombe enceinte. Et c'est la seule. Pour les autres, il n'y a pas eu d'histoire qui a vous décapiter des soupçons d'infidélité et tout ça. Il n'y a que pour Aïcha et pour Maria la Copte. Comme par hasard, Maria Lacopte, Copte, c'est la seule qui a donné un gosse. Il n'y a que du comme par hasard. On va dire je suis complotiste. <laughs> comme par hasard. <laughs> Mais Oui, mais c'est les probabilités, les amis. À chaque fois, elles sont faibles. Il y a, il y a, euh, rasoir de cam. J'invoque le de, rasoir de cam. <laughs> Donc, voilà. Alors, on a vu qu'il y a des sources qui cherchent à décrire Momo comme euh, Rocco Cifredi. Euh, Ce n'est pas crédible, la force de 30 hommes. Ils auraient, dû, ils auraient dit des trucs un peu plus haut, ordinaires. On y aurait pu, pu y croire. Mais là, comprenez que. On se dit là, c'est juste des trompettes, euh, des violons et tout ça. Mais non, ça va, le mec, il est pas. Euh, il n'a pas un chamelot dans le slip. Alors, voilà. Je vais te laisser. J'en je euh, ai pour 30 secondes là. Je vous laisse comme… Merde, merde, pardon. Oh, j'ai pas mis stop. Alors, attendez, on était à Kautar. Voilà. Je vous laisse euh, li lire et parler un peu de cette sourate, cette magnifique sourate de trois versets, les amis. Juste le temps que j'aille et je revienne. Hein. Ok, ok. Personne ne peut faire à ma place. Euh, voilà. Okay. Bon, en gros, je vais aller pisser. Voilà, allez, <laughs> à tout de suite. Alors, je vais la lire en arabe. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Voilà. Euh, donc en français, ça donne nous t'avons certes accordé l'abondance, donc el kautar, euh, accomplis la salade pour ton Seigneur et sacrifie, celui qui te hait sera certes sans postérité, donc l'aptar. Voilà, et donc l'aptar, c'est stérile, sans postérité, sans, sans descendance, quoi. Voilà. Et du coup, donc c'est la sourate euh, la plus courte du Coran, c'est vraiment celle que tu apprends. Quant à la flemme, quand tu viens de te convertir. <laughs> non, en général, les convertis, ils apprennent pas celle-là forcément. Ils apprennent l'Ikhlas lire là, et tout. Mais, mais celle-là, elle fait partie du pack sur cours. Soyez fermes dans votre foi, les frères. Vous laissez pas voir par le rire euh, joyeux de Régulus Restez fermes dans votre foi parce que viendra un temps où euh, où le rire se fera apostasie. C'est comme si tu fais Zarmat tu t'as vu, tu fais un barbecue et t'as et une braise qui est dans la main, quoi. T'as vu, tu vois, t'as as vu, ça, ça fait mal, t'as vu. Le... Ben voilà, c'est quand tu... il faut rester ferme. T'as capté, quoi. Moi, je te dis l'islam, c'est beau, c'est beau l'islam. T'as capté, quoi. c'est, t'as capté ou t'as pas capté voilà. J'ai j'ai énormément capté. <laughs> c'est cool. Ça là la, 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 la science de l'islam. Oui. alors ouais, vous avez lu la sourate, oui, oui, oui. Voilà, alors, oui, mon commentaire. J'ai lu trois versets seulement, c'est très oui. court. C'est une punchline, c'est du Eminem Tu euh, vas parler euh... du tafsir ou pas du verset? Oui, euh, alors, des je, des passe à Ibn Kathir, voilà. Donc, voilà. Euh, un passage d'Ibn Kathir, du tafsir, ce que, ce, ce que signifie Kautar et Aptar. Voilà, c'est écrit tout petit. Alors, euh, Anas ibn Malik raconte Un jour que le messager de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, se trouvait parmi nous, il eut un assoupissement, puis releva la tête en souriant. Ah oui, vous allez comprendre, c'est quoi le rapport avec euh, l'impuissance du prophète ben, Vous allez voir. Alors, nous lui demandâmes tantôt. Cette sourate. Auparavant, ils avaient demandé la sourate. Au nom d'Allah le miséricordieux, le très miséricordieux, nous t'avons comblé de faveur. Pris ton Seigneur et fait lui un sacrifice. Ton ennemi disparaîtra sans trace. Akbar. Bon, je pense que pour... Pourquoi ils mettent ça Et puis, il ajouta Savez-vous ce qu'est le kautar Dieu. Et son envoyé répondit nous le savent ouais, toujours. C'est pénible ça. Il fait exprès de poser des questions pour qu mette, en fait pour euh, leur expliquer ou leur dire directement les choses. Vous avez remarqué ça, le prophète, il fait ça tout le temps. Oui, oui ils adorent faire ça. Mais mais, mais ça c'est dans, dans le Coran. C'est vraiment une rhétorique coranique ça. Oh là, là mais tout le temps. Savez-vous ce que c'est que le capital Savez-vous ce que c'est ah, que le. Que ah, le voilà, le mec, le quoi, mec qui est en train de répondre, il, il va se faire regarder de travers. <laughs> 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 euh, Peut-être que c'est euh, la félicité. Ta gueule C'est une question rhétorique, connard <laughs> faut dire que je sais mieux que toi. Ah, d'accord Tu sais mieux. Voilà, alors maintenant je vais t'expliquer. Un poseur. Bref. Alors, qu'est-ce qu'il a dit C'est une rivière dans le paradis que mon Seigneur. Salut la puissance et la gloire m'a promise et dont ses faveurs sont très abondantes, abondance, abondance, abondance. Donc euh, certains éléments ont dit que Kaoutar signifie bien, bien abondant. C'est une rivière au paradis dont les deux bords sont couverts de dômes et de perles. On a compris hein, c'est une rivière euh, des diamants, des perles, des oiseaux, euh, tout ça. Ce qui compte c'est la fin. Donc, alors Kaoutal ça veut dire aussi prospérité normalement. C'est peut-être tu auras plein d'enfants mais le problème, c'est que comme il n'a pas eu d'enfant, vous comprenez, mal, mal, vivant, euh, on a remplacé ça par une, une rivière abondante et tout ça, pour le consoler, le pauvre, au paradis, il aura sa consolation de ne pas avoir eu d'enfant garçon, il aura une rivière pleine de lait et de perles. Mais la fin du, du tafsir, voilà, explique bien, ton ennemi disparaîtra sans trace, c'est-à-dire hein, c'est-à-dire celui qui te hait en s'écartant de la bonne voie que tu as apportée. Ainsi que la lumière éclatante de la vérité. Alors, déjà, celui qui te hait parce qu'il ne t'écoute pas. Quoi. Celui qui t'écoute pas, il te hait. Hein. Donc, voilà celui qui n'aura jamais de postérité. Donc, Kautar, euh, Aptar, c'est ne pas avoir de postérité. Yazin Ben Rouman raconte Quand on évoquait le nom du messager de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue devant. Alors, voilà, premier. premier euh, comment on appelle ça Les suspects. Premier suspect. Il y en a quatre. Al-As ibn hein. Wail. Il s'écriait, en parlant du prophète, hein, laissez-le, c'est un homme sans postérité. Quand il mourra, personne ne, perp ne perpétuera son nom. Euh, Dieu, à cette, à cette occasion, révéla cette sourate. Ah, c'est lui l'impuissant, c'est pas C'est lui l'impuissant. Mais d'autres ont avancé qu'elle fut révélée au sujet de Ukba ben Muhaït ou d'Abu Lahab, le fameux Abu Lahab. Et selon les dires de euh, Ata euh, ou de Abu Jal, il y a aussi, ça peut être aussi Abu Jal, euh, d'après Ibn Abbas. Je n'ai pas fait de recherche sur Abu Jal à ce niveau-là, c'est con, j'ai les trois premiers, je n'ai pas fait gaffe au quatrième. Il y a quatre suspects qui auraient traité le prophète d'être un homme sans postérité. Donc, euh, sans postérité, c'est-à-dire qu'il n'a pas de descendance masculine, en tout cas. Mais Abuja, il a des enfants, donc ça n'a pas de sens. Abuja, il a des enfants aussi, donc, bon, voilà. mais les oui, autres oui. aussi, c'est ce qu'on va voir. Euh, il a des et... enfants mâles aussi, donc bon, il est dans mal, la merde. Oui, oui, mal, ouais, oui tous. Des... Alors, c'est ce qu'on va voir, c'est rigolo. Alors, premier suspect, on va rigoler. Attends, tu vas... Tout à l'heure, tu vas rire, hein. je pense. Si tu n'es pas au courant, si tu découvres, comme moi, je découvre tout à l'heure, tu vas te marrer. Alors, le premier suspect, euh, Ibn Wahil, était le père des Saabas. Ham Ibn Al As et euh, Hisham Ibn Al As. Euh, il faisait partie, bon, on s'en fout. La rumeur veut qu'il a eu une relation avec Laila Ibn. Alors, je sais pas qui c'est celle-là. Euh, euh, et donc la sourate Kautar euh, a été révélée à La Mecque quelque temps avant euh, l Bon, on s'en fout. Avec le voyage nocturne. Il a dit que Mahomet était un homme qui est coupé. Là, il ne dit pas sans postérité, il traduit ça par un homme qui est coupé. Oh là là Alors, eux, ils précisent, entre parenthèses, d'avoir un géniteur mâle. Mais Aptar, ça voudrait dire peut-être coupé, en fait, plutôt que sans postérité. Et il laissa un testament à ses deux fils. Alors, je suis allé chercher euh, des interprétations euh, de Aptar, en fait. Hein alors, regardez oui. ce que j'ai trouvé. Aptar. Qu'est-ce que ça signifie? J'ai trouvé deux sahihs, hein, Muslim et Bukhari. Muslim, c'est tuer les serpents rayés et les serpents à queue courte. Aptar. Bukhari, c'est un serpent à queue courte ou à queue mutilée, c'est-à-dire aptar. Quand ta queue, elle est coupée ou mutilée, euh, on dit aptar. Ah, c'est un peu plus parlant que sans post postérité. Hein. Par contre, ça me fait rire le hadith. Car, euh, alors, le prophète a ordonné de tuer un serpent que court, car <laughs> le... il aveugle le spectateur et provoque l'avortement. <laughs> c'est de la merde. <laughs> non, mais j'en ai marre, c'est superstition, c'est trop. <laughs> <laughs> su, trop. <laughs> c'est merdique. Donc, les, les, les meufs qui veulent avorter, vous n'avez qu'à. Euh, Regardez des serpents à queue courte ou que musique. Vous prenez une ah. vipère, vous, vous, ouais. vous, vous la coupez en deux et après vous la vous, vous laissez vous mordre. <laughs> voilà. ah oui, ah. bon. Aptar, en gros, ça veut dire petite bite, hein, quelque part, ou courte queue. Ouais, voilà, j'ai pas de gros mots. Les courtes queues. Le... Il y a un des mecs, le premier, on a vu que lui, il a eu des enfants. Qui a traité le prophète de courte queue. Et Allah, il intervient, il dit Non, non, c'est pas vrai, c'est pas une courte queue, c'est toi la courte queue. Voilà. C'est un niveau. Parce que je pense que dans le langage de l'époque, les mecs, c'était des rudes, c'était pas non plus, tu vois, c'était pas des poètes du 18e siècle, c'était pas des Molières. Momo n'était pas un poète, c'est sûr. C'était pas des Victor Hugo, les mecs. Donc, euh, ah, quand ça, il le tard, je pense que c'était euh, petite bite, courte queue. Euh, châtrer, de la vie, peu importe. Bah, bah, dans le Coran, ça parle de bâtard, ça parle voilà, de. Voilà. Bon, chatré, quoi. Voilà. <laughs> c'est un chatré, non Et Allah, il dit Ouais, c'est toi le chatré. <laughs> Putain. Oh là là. Alors, les autres. Les deux autres. Il y en a deux autres. Et là, tu vas rire. Alors, Okba Ibn al-Mouhayt. Euh, alors, lui, il a eu six enfants, lui. Wow. <laughs> six enfants. Euh, il a été exécuté, c'était le pote, à Ibn al-Harith. Euh, c'était oui. les deux qui faisaient la misère aux prophètes en rhétorique <laughs> et en récitation, <laughs> qui a relevé le défi de l'inévitabilité du Coran. Donc, il les a exécutés, les deux. Hein. D'accord. Mais en tout cas, ces enfants euh, sont devenus des sahabas hein, aussi, ces garçons. Hein. Euh, Là, après la bataille de bat c'est Ali qui aurait décapité tout ça, mais en tout cas, euh, tous ses enfants sont devenus musulmans. Et il a eu des garçons. Et alors là, tu vas rigoler, c'est Abou Lahab. Attends, Abou Lahab. Alors. <laughs> marre. Ah non, Abou Jal. Ah non, c'est pas Abou Lahab, c'est Abou Jal. Mais alors, oui, après tu vas voir Abou Lahab, tu vas voir. Euh, ça va être rigolo. Euh, Le plus euh, que ses enfants En tant que musulman, réciter El kauter tout en étant la preuve vivante que cette sourate <laughs> Ah oui. ouais, c'est une réflexion qu'il avait eu à l'époque. C'était euh, super richam là, rappelle euh, sur Twitter Oui, 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 oui. c'était lui qui est spécialiste de cette sourate. Et donc, il a eu euh, voilà, il a eu deux enfants hein, ou un enfant en tout cas. Est-ce que tous ces enfants de ces mecs là euh, ont euh, effectivement récité à al Carouge, qui disait que leur père était impuissant, n'aurait pas de postérité. Et le mec il a récité ça. Tu te dis c'est quoi le bug C'est quoi le On est dans Terminator, il y a un bug. Euh, c'est un truc de dingue. Bon bref. Non, oh là parce là que c'est, euh, tu comprends pas que la, la sagesse et la beauté qu'il y a derrière, c'est la réponse à cette énigme je meurs dès que me nomme. Qui suis-je Le silence. Ah, c'est pareil. C'est un truc, que je me mords. Ah, Donc, oui, oui. C'est allégorique. allégorique. Oui, non, mais c'est ça. Il y, a, il y a un bug temporel ou je ne sais quoi. Parce que tu ne veux pas dire à un enfant de, de réciter en y croyant une sourate qui dit que son père était impuissant. Non, mais, mmh. mais, mais après... Euh, après oui, 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 oui. Donc, soit... Euh, la sourate, ils ont tenté de modifier après son interprétation, etc. Ou soit c'est faux, euh, ils récitaient pas vraiment cette lecture, <laughs> ou, ou soit ça voulait ouais. pas dire ce que ça voulait dire, mais en tout cas, c'est vrai que c'est très bizarre. C'est très très bizarre. Alors, attends, la meilleure, moi ça m'a éclaté, j'ai découvert ça que aujourd'hui. C'est sur Abu Lahab, j'ai découvert ça aujourd'hui. Mm -hmm. On va revenir au document de Rasoul en fait. Okay. Regarde bien le camp de Rasoul et les filles que le prophète a eues avec Khadija. Attends, on va zoomer. On va zoomer. Oui. Va zoomer. oui, oui. oui. Voilà. Rokaya et Umkultum. Elles se sont mariées avec qui au premier, au premier, au premier mariage Udba ibn Abu Et ensuite... Rokaya, euh, euh, et, et, aïe aïe. Les deux fils d'Abu se sont mariés avec deux filles du prophète aïe, 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 aïe. <laughs> et aussi réciter la sourate les fibres ou pas <laughs> C'est pour ça qu'il avait le seum. Le prophète avait le SUM, qui ses deux filles étaient avec son fils. Le fils de son pire ennemi. Je me tape ta fille et je t'insulte. <laughs> de deux, deux deux filles deux filles et je t'insulte. Sale merde sale merde. Alors, les deux sont morts puisque tu étaient remariés, c'est les deux qui ont été mariés après avec Osman. Un vrai Dayout. Le prophète est un vrai Dayout. Il y a une terrible Dayout. C'est oh, Ça, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Oh là 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 là. Oh, ça fait mal. Ah, tu es au courant, hein, toi oui, 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 j'étais au courant, mais, mais ça m'a fait une piqûre de rappel. J'avais quasiment oublié, ça c'est vrai, t'as raison. Ah, là, là, là. Alors, moi je ne le savais pas, vraiment j'ai découvert. Alors, dans tous les cas. Mais qu'est-ce que alors... t'as Qu'est-ce que as avec les pluriels Les accusations d'infertilité et oui, J'ai enfin, toujours, putain, mais j toujours mais pas... été nul. Ah, Écoute, euh, en CE1, j'avais 0,01 de en moyenne. Bité. Ce genre, et c'est ce genre de facho qui vous fait euh, ah le bleu, blanc, <laughs> rouge et tout, etc. Hein. <laughs> je, te PLS je me, de vert. me PLS trompe rarement sur les, sur les participes passés, tu vois. Oui, bah, ne ben, faut jamais ça. se tromper, c'est pas rarement. C'est jamais qu'il faut. Se tromper, et, et tu te trompes rarement les, 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 coucheries, les coucheries du prophète aussi. Oui, alors, dans tous les cas, Allah par la bouche de Mohammed. Parce que il, il, sa révélation, ça sort de la bouche du prophète accuse d'infertilité un homme dans l'eau, il y en a bien un qui est accusé euh, un homme fertile qui a laissé une postérité pour contrer les accusations d'infertilité sur son prophète uh -huh. et tout uh -huh. ça par la bouche de ce prophète uh -huh. ouais. donc en fait euh, le seul à parler qu'on entend c'est le prophète oui bah oui ouais. et qui dit ouais oh, c'est lui qui est pas fertile oh, mais attends il a des gosses oh, putain <laughs> et merde. ah putain merde Merde merde, <laughs> merde, 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 Et toi, toi, dans toi, la toi, merde. Tu attends, on a des oh, ta gueule <laughs> Ah bah ben voilà. Non, oh, c'est terrible. Moi, terrible. Moi, 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 je dis. Euh, après, bon, on n'en a pas parlé, mais un jour, on en reparlera on fera un live sur ça. Bah, moi, je veux bien faire un live spécial Zayn B. Zaid avec ce qui s'est passé. Et je dis, moi, justice. Il bah, y en a qui veulent faire justice pour Aïcha. Moi, je veux faire justice pour Zayd. C'est à cause de, à cause de Zainab, enfin C'est de... terrible ça. Par oui, rapport à ça. Justice pour Zayd. Et tous les enfants qui ne peuvent pas être adoptés normalement, euh, ils doivent passer par un système de tutorat de merde euh, dans les pays musulmans à cause d'une histoire de coucherie. Voilà. À cause d'une histoire de merde. Oui, moi je Donc euh, on fera un live spécial sur ça, bébé, on dénonce ça à et ouais, puis c'est important chien. ces sujets-là, c'est pour ça que moi je, je fais les, les lives sur la circoncision avec Samuel Dib, sur l'abattage rituel. Oui, euh, oui. Parce que ce sont des sujets actuels qui concernent les sociétés actuelles où, 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 où vivent des musulmans et où, qui pratiquent l'islam. Parce que ça, c'est des vrais problèmes. Concret, leur parler de pédophilie, c'est bien pour montrer les absurdités de l'islam, l'incohérence, l'immoralité, ce que tu veux, mais, mais ils ne vont pas se sentir concernés, les musulmans, par ça. Ils, ils se, ça. Ils ne se marient pas avec des petites filles. Ça, c'est fini. Ça ne se fait plus. C'est terminé. Ça ne se fera par plus. Par contre, que si ils ne peuvent arriver. pas adopter. Par contre, ils ne peuvent pas adopter. Et les enfants orphelins n'hériteront jamais de, de parents adoptifs. Voilà, c'est ça. Donc, euh, ça là, Effectivement, il y a un vrai problème. Je connais des gens concernés par ça parce que je connais des, des Marocains qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas pu avoir d'enfants et qui ne peuvent pas adopter. Et pour eux, c'est un drame. Je sais ça, j'en je, connais. Donc oui, c'est problématique. On en reparlera. On en reparlera. Alors, je parle une autre sourate parce que là, on monte la jalousie. Ah, la Vas-y, je te laisse euh, commencer. <laughs> je vais la lire. Attends, non, non, Je vais la lire, je vais la lire. Alors, soit 68, c'est un Seigneur qui connaît mieux ceux qui s'égardent de son chemin. Il connaît mieux ceux qui suivent la bonne voie. N'obéis pas à ceux qui créent au mensonge. Ils aimeraient bien que tu transiges avec eux, afin qu'ils transigent avec toi. Et n'obéis à aucun grand jureur, méprisable, grand diffamateur, grand colporteur de médisance, grand empêcheur du bien, transgresseur, grand pêcheur, au cœur dur. Et en plus de cela, bâtard! Même s'il est doté de richesses et de nombreux enfants. Et à la fin, il y a le, nous lui marquerons sur le museau. Qu'est-ce que c'est que cette merde C'est vraiment une sourate de merde. Vous savez, c'est la pire sourate, c'est l'une des pires. Moi, je la classe dans le top 20 des pires sourates qui, qui existent dans le Coran. Il y en a 114. Franchement, elle fait partie des pires sourates, euh, pa parce que ça montre à quel point le Coran est humain, et à, à quel point le Coran est surtout vulgaire, c'est tout ce qu'il y a de plus mauvais dans l'humain, parce que bien sûr que l'humain peut créer des chefs-d'oeuvre euh, artistiques, et d'un point de vue scripturaire, littéraire, poétique, on en connaît, mais le là, c'est c'est ça. Peut toi, tu me dis, l'humain, il peut construire. Moi, je dis, l'islam, il peut détruire. Nanana, nanana ner. tu vas faire quoi Nous, on aime <laughs> la mort plus que la vie. Nanana. nanana ner. Exactement, exactement. Ouais, tu as tout tout aussi, que... euh, tu vas, tu quoi à gagner avec nous On est des losers et pas toi. Nanana. Ner. <laughs> il y a ça aussi. Oui, la oui. oui, 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 oui. Mais, mais en, en tout cas, ça tourne toujours autour de oui, t'es un bâtard, toi t'as pas de père, toi t'as pas d'enfant, ça, ça traîne toujours autour de ces sujets-là. Beaucoup de complexes, d'absence de, euh, de filiation, on sent le complexe. Bah, vous 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 <rire> <moulagoufre>. <rire> capital, je suis ectoplasme, »,« gaufre. on de ce corps, Capitaine. C'est euh, ça. Euh, là, si on nous renvoie des refs euh, de niche, <laughs> c'est pas tout le monde qui connaît. Je ne comprends, pas comprendre je ne veux pas. Il y a voilà. Almax, il y a Aldmax. Je suis sûr qu'il aura compris. Ça perd Almax est un bon. bon. C'est normal. Ouais. Mais. Cornegidouille. <laughs> la ref. La ref. Je connais pas. pas, ronde ronde. Bleu. Les pas le sang bleu. bleu. Oui, oui voilà. Sans oublier voilà. les jarl cotons. Bon, bah, bah, bah. Il, conna... il a toutes les refs. Oui, la oui, c'est un connaisseur. Il a un bloc-notes. Il enregistre tout dedans. En tout cas, euh, pour revenir sur la sourate. Oui, en fait, le problème, c'est qu'on sent le complexe de, de l'auteur de cette sourate, si on dit que c'est Momo, euh, quand il dit oui, il est bâtard, etc. Déjà, il est imprégné par une culture où euh, le fait de connaître son père, d'être affilié à une tribu, d'être affilié à voilà à un nom de famille, pat un patronyme, est important. Voilà, d'où l'usage du terme bâtard comme une insulte, et aussi le fait euh, à la fin euh, de, de, de focaliser sur les enfants associés aux richesses. Donc on comprend qu'être riche matériellement c'est une chose, mais avoir des enfants c'est une bonne chose chez les Arabes. Beaucoup d'enfants surtout. C'est vrai, voilà. Parce a, entre parenthèses nombreux. Des garçons, Donc, avoir des garçons. Surtout et surtout hein. des garçons. Ça c'est ça exactement. Donc c'est à dire qu'il a beaucoup souffert de ne pas avoir des garçons. Le prophète énormément. Ah là là. Ce qu'il dit, il est bâtard même s'il est doté de richesses. Et dans. Et de et dans nombreux enfants. Voilà. Et, et dans le. On va comprendre. Le tafsir, il ne dit pas grand-chose d'autre que ce qu'on a très bien compris. Mais je passe le. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit Alors, j'ai souligné en jaune des trucs à une époque où je voulais vous montrer autre choses, Mais voilà. Il en est qui se sentant pourvus de richesses et d'enfants Pourquoi les enfants il, il suffit de dire oui, ils sont blindés, ils sont riches, ils sont ingrats. Non, ils sont pourvus de richesses et d'enfants. Et ils accueillent nos versets par ces mots, ce sont de vieilles fables. Oh, on... C'est tacle à la gorge, ce sont de vieilles fables. Oh, on connaît, vas-y, ta gueule. Ces gens-là auxquels Dieu a octroyé des biens et la progéniture, au lieu d'être reconnaissants envers lui, mais croient au verset de Dieu, nous les humilierons. D'accord C'est ça, c'est... Alors marquez euh, le groin, hein, le museau, là. En fait, il marquera sur le nez en lui fendant les deux lèvres, en faisant une sorte de bec de lièvre, un museau au oh, enfer. L'humiliation. C'est horrible. C'est horrible. En fait, c'est en fait, des tortures horribles. Mais le prophète, vraiment, c'est le mec, c'est même pas Eminem. C'est le mec qui... On sent qu'il galère, quoi. C'est un galérien. Ouais, euh, euh, toi, c'est pas parce que toi, tu as des enfants et moi j'en ai pas que euh, tu crois pas à ce que je dis euh, alors que tu as des enfants, et, et, ben, et ben tu sais qu'on va te fendre les lèvres en deux, et on va te mettre des drapeaux et des chaînes dans le fion, on va te, te dire... c'est waouh, la poésie du Coran, c'est magnifique. Enfin bref, donc nous les humilierons parce qu'en gros, il, il, il en veut aux gens qui ont des enfants, quoi. tu vois, il dit, ouais, comment tu peux être ingrat alors que tu as des gosses, c'est vraiment la parole de celui qu'on n'a pas quoi. et qu'on aurait aimé en avoir. Hein. Ça, on a compris. Alors, il me reste un truc à voir et vous allez comprendre. Je pense que vous allez tout de suite voir. Enfin, on verra. Si vous voyez le lien avec le, la stérilité du prophète et ce verset du Coran, euh, je vous le mets à l'écran. Il est très connu, on le cite souvent. Hein. Voilà. 33-53. Hein, C'est quand il reçoit des gens à la maison euh, et puis qui squattent avec ses galères et tout ça. On, on se soucie souvent de la première partie, où on dit putain, le, le prophète, il n'a pas d'autorité, il n'a pas de charisme. Il est obligé de dire à Allah, de, de dire à ses invités de dégager parce qu'ils sont lourds. Mais c'est la fin. Quand il dit euh, Ne vous mariez pas avec ses épouses après lui, ce serait un énorme péché. N'épousez pas ses épouses après lui. Qu'est-ce qu'il en a à foutre que ses épouses elles soient épousées après lui. C'est quoi le problème ben, Le problème, c'est peut-être que si elle tombé enceinte, direct, après, j'imagine, il a vécu dix ans avec elle, ils n'ont pas eu de gosse. elle se marie avec un mec, elle tombe enceinte, direct, elles font des gosses. On penserait quoi du prophète, en fait Question, hein euh, Je sais pas. La okay, question s'en répond, bah si, moi je sais ce qu'on dirait, hein. c'est qu'il était stérile. Oui. <laughs> Attends. Le mec, il vit dix ans avec une nana, il meurt, elle est veuve, elle se marie, elle fait 10 gosses. <laughs> Et tu te dis, waouh, soit il ne l'a pas touché, euh, soit il a eu une entente à la bite pendant 10 ans, ça va savoir, soit il était stérile. Ah oui, hein. C est, c est, c est, je m'étais je jamais demandé réellement pourquoi parce que la, la raison qu'on nous balance c'est parce que euh, il faut que c'est le dernier mari euh, c'est le premier mari euh, non, oui c'est le premier mari en plus on s'en fout tu vois, une femme au paradis elle se retrouve avec le premier mari de toute façon donc elle se retrouve avec lui au paradis même si elle épouse un autre après mmh. c'est quoi le problème c'est quoi le problème qu'elle épouse un autre mec après lui en fait ça devrait pas l'être, mais lui, même après sa mort, il veut pas qu'elle se Pourquoi, pourquoi Parce que peut-être il, 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 il veut pas qu'on dise plus tard qu'il était impuissant. Oui, oui, oui. Ça, pour moi, c'est rasoir de cam les mecs. Rasa... Eh, rasoir de cam ce soir, je l'ai sorti plein de fois. Hein, vous avez vu hein, J'apprends, j'apprends hein, du maître, j'apprends. Vous avez vu oui, Alors, oui, Rasoir de cam. Pour quelle raison le mec il veut pas que ses femmes se marient après lui C'est pour pas qu'elles aient des gosses. Ouais, parce parce qu'ils qu n'ont pas eu avec lui tout simplement. Euh, je, je, je vais voir passer une balle perdue. Pfiou oh, aïe! c'est pour qui la balle perdue aussi? Aïe! <laughs> je sais pas. Ah, mais oui, mais moi j'ai, j'étais en train de baisser mon frog parce que j'avais un truc à faire et c'était pas le bon moment là. <laughs> Merde. c'est chaud. Enfin. Euh, voilà, bah, écoutez, moi j'ai fini avec mes arguments. C'était mon dernier, mon dernier argument pour vous dire qu'il y a un faisceau d'indices qui convergent tous vers une chose c'est que le prophète a des soucis sexuels, hein. euh, soit d'impuissance carrément, soit de stérilité en fait. Mais euh, tout ça, quand même, ça pose question. Je ne dis pas que j'ai raison, euh, mais pour moi, c'est quand même ce qu'il y a de plus rationnel. Ceux qui veulent argumenter contre ça, n'hésitez pas. Euh, si euh, Jésus musulman, tu veux euh, dire à quel point je ne sais pas parler arabe et critiquer mes arguments, fais-toi plaisir. Voilà, je lance le truc. Pour moi, le prophète, j'ai de, de bonnes raisons de, de penser qu'il était euh, stérile et voire impuissant. Je pense plus que c'est ça que le fait qu'il ait vraiment eu des gosses, quoi. Il était mou de la tige et il n'avait pas de il n'avait pas d'elias de Kilowic pour lui faire une potion de virilité okay. Il était mou de la tige. Désolé.